Salut les amis, c'est Cyanure948, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Sims 3 pour notre petit let's play aventure. Et ça faisait longtemps que je n'y avais pas retouché, donc ça fait un peu plaisir d'y retourner. Alors on va voir un peu tout ce qu'on avait fait. Déjà on avait une Moses. C'est déjà pas mal là. D'ailleurs elle joue à la guitare là. Alors on en était où? Lui il était à fond je crois. Elle fallait qu'elle fasse juste de l'athlétisme. Bon ça va, c'est bon, tranquille. Tranquille, allez au taquet. Ah bah elle va travailler d'ailleurs. En parlant de ça, elle va travailler, ça va, elle est en bonne humeur. Donc c'est pas trop mal. Lui, on va lui faire aller aux toilettes, on va lui faire prendre une douche, parce qu'il en a besoin, il en a besoin, il en a besoin. On va lui faire manger les restes. Voilà. Donc j'ai retrouvé un peu les marques, comment passer vite, etc. Il y a toujours la fleur, là, le bouquet de fleurs que j'ai foutu là, qui... Tiens, on va entretenir le jardin aussi. C'est vrai qu'il y a tout ça. C'est vrai qu'il y a tout ça. Hein. Putain, bon, il va jamais vouloir aller... On va le faire faire un sommeil maléfique, il va jamais vouloir aller, désherber tout le jardin, là. Alors, 849 dollars de l'heure, quand même! Ah ouais, putain, je m'en rappelais plus que... Oh putain, l'humeur, elle est massacrante. Bon, ça va, je travaille pas. On est tranquille, entre guillemets, on est tranquille. Allez, hop, prends sa douche, machin truc. Ouais, il va jamais vouloir y aller, alors on va le faire là. Ouais, ouais. C'est bien ce que je pensais. Notre cher Sim ne veut pas aller travailler. Il en a marre. Bon, une fois que ça sera remonté, on pourra le faire. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'a-t-elle fait? Plus un geste. Oh putain, elle s'est fait coffrer la conne. C'est pas grave, hein. Va t'entraîner. Ouais, c'est bon. Je m'en fous, honnêtement. Alors on va regarder si on avait dans notre inventaire des trucs à vendre. Ah bah oui, on en a, vous voyez. Alors nickel, tout ça, c'est de la vaisselle que je ne peux pas mettre là. Et... Alors on va le mettre ici, on va virer la poubelle, on va le mettre là. On va mettre ça là, alors, en espérant que... Ouais, normalement ils peuvent passer, c'est bon. Jamais, tu ne me parles plus jamais, toi, ok? Voilà, nickel. Voilà. Alors AMD, ils ont sorti un nouveau Catalyst Evolution. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si ça va être un peu plus fluide, mais bon. On va voir, on verra bien. Rum fête son anniversaire aujourd'hui, il entame la prochaine étape de sa grande aventure de la vie. Pourquoi ne pas lui acheter un gâteau et organiser une fête? Hein? Comment ça? Non. Pas déjà. Oh non, il y a un truc, attendez. Il me fait de la merde le jeu. Alors, là. Voilà, espérance de vie longue. Et puis ça, hop, et ça, hop, voilà.
Ouais, pourquoi il m'a tout rebaissé là? Je comprends pas ça. Il y a eu un petit bug là, hein. Il m'avait rebaissé la qualité du jeu et tout, je ne sais pas pourquoi. Il a craqué. Putain, elle peut pas revenir toute seule, non. Ah bah tiens, elle bouffe une pomme. Ah là là, la dalle. Bah écoute, si tu bouffes ta pomme, tu vas aller dormir. Hein. Putain, elle est habillée en mode gangster. Gangster. Ouais, faut qu'il fasse à bouffer. Alors, bah lui, il va bouffer aussi. Allez, les pains perdus, normal. On va le faire jouer un peu parce que, il est vénère. Un jeu vidéo. Putain, les arbres, ils sont dans un sale état, mon pauvre. Il a intérêt de faire ça bien, moi je te l'ai. Ouais. Oh putain, il est mort lui! Jeter toutes les plantes mortes. Ah putain, il y a tout cas. J'en ai replanté un, il y en a un autre qui est mort. La laitue. De la laitue. Allez. T'en es où toi? Ah ok. Prends pour moi, t'en es là. Ça va. Hop. Putain, il se prend même pas. Toi, tu vas te laver, t'as faim un peu. Bah écoute. Il a besoin de parler, alors ce qu'on peut faire, c'est qu'après il va faire un peu d'échecs. Il va un peu s'entraîner aux échecs, et puis elle, elle va le rejoindre, tout simplement. On va la faire aller aux toilettes. Hein, déjà? Non. Ah ouais, oh putain. Ah, j'avais même pas vu l'heure, mais en effet. Putain, rien d'inhabituel. Travail dur. Toi. Ouais, dépêche. Travail dur. Travail dur, hein. Putain, il est fatigué, mon gars. Ouais. Bah, de toute façon, on s'en fout, il peut pas. Enfin, il aura pas d'autre promotion, lui. Par contre, la gonzesse, ça peut avoir à me chercher un autre travail quand il a remarqué que ça fait rire. Incroyable, il a reçu. Ok. Putain, une alarme. Lol. Alors. Félicitations, Auriol vient d'améliorer. Bon, ça c'était déjà passé. Puis bah voilà quoi. En gros, tout était déjà passé. Super, super. Ah, faut que je paye mes factures. Hein. Payer les factures. Sinon, je vais me faire un peu niquer. Voyez-vous. Putain, elle se fait toujours coffrer elle. Putain, mais t'es mauvaise dans ce domaine. Hein. Change. Trouve un autre travail. C'est quoi ton souhait à long terme? C'est ça en plus. Putain. La derme. Quoi? Mais non, pas elle aussi. Oh putain, elle est vieille en fait, ça veut dire. Bah. Hein, mais elle est chelou. C'est quoi ça? Mais t'es sérieux toi? Oh putain, mais en fait elle est vieille. On parlait à mon gars qui a encore un petit genou là, 215 jours.
Il lui reste 215 jours avant de vieillir. Mais en fait, les deux auraient pu vieillir en même temps et au final, bah. Ouais, bon, bah, y a un peu. C'est un peu bizarre tout ça là. Hein. Y a des trucs qui se passent encore. Qu'est-ce qu'elle fout? Mais qu'est-ce qu'elle fout? C'est quoi ça? Ramasse? Vas-y, dépêche. Et va la planter après, tiens, on va retourner à la maison là. Alors, son inventaire, c'est là, la graine spéciale inconnue. Allez ici. Dépêche. Puisque je ne travaille pas, ma grande, tu vas jeter toutes les plantes. Yes, 4000, putain. Non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais il est chelou ce jeu là, wesh. Ah bah lui aussi. Bon bah, écoute. Il pète un câble le jeu. Ram est désormais un adulte totalement mature, du moins la plupart. Oh là là, putain. Qu'est-ce qui me fout le jeu? Elle est chelou. Hein. Il me restait 215 jours avant de vieillir là. 215 jours, ils sont passés en un claquement de doigts. Bah tant mieux en même temps, mais bon, tant mieux comme ça, les deux ils sont à peu près pareils, mais c'est bizarre. Alors déjà j'étais sur elle en train de faire un truc. Ah. Alors, inventaire. Putain, mais elle a deux voitures dans son truc, elle. Attends. Ah non, c'est des vo dans, en ami, putain, ouais, c'est vrai. Oh là là, putain. Il y a une biche. Et je peux pas le mettre. Alors, vas-y, dépêche. Tiens, va regarder la télé avec elle là. Comme ça, ils vont être ensemble et ils vont pouvoir parler. Ça va augmenter le social. Bon, même si le social est déjà mort. Ouais, c'est grave. On s'en fout. Alors. Offrir un cadeau. Voilà, comme ça il va être dans mon inventaire et moi je vais pouvoir le planter. C'est tout simple, c'est tout simple. Ouais, bah vas-y. Ouais, de quoi prendre le cadeau. Oh là là, putain, c'est vraiment, hein? Restez poli, mais bon, c'est des chieurs, voilà. Je l'ai dit quand même. Alors, toi après, t'as la dalle, alors tu vas manger, comme d'hab. Du pain perdu, puisque c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, mais non, mais non, mais non, toi tu vas dormir aussi, tiens, allez hop. Recalage direct. Servir des pancakes. Utiliser pour une douche maléfique. Oh putain. Il me fait ses coups des fois. Alors c'est quoi là? Un joli et charmant cadeau, d'accord. Super, merci. Youpi. Les détails de la. La nature, c'est très sympa. Encore un chien là, et encore un chien, non. Non, pas du tout. Putain. Chaud. C'est quoi ça là? Quelle interaction, d'accord.
Elle descend, elle est toujours à poil à moitié. Normal quoi. Aucune pudeur. Ça la dérange pas, tranquille. Lui il bouffe tranquille, tu sais, il vient pour. Alors c'est quoi ça fait okay. Embrasser Auriol, ok. Oh là là. Prendre une assiette, parce qu'elle fait à bouffer et tout, mais jamais elle se prend une assiette ou quoi. Bon. Putain, il fait du pain perdu au four lui, putain. Je sais pas comment il fait, mais. C'est un bon, c'est un bon. Ah, alors attends. Ah, j'ai terminé, ok. Ouais, super, merci. T'as rien branlé en fait, mais t'as terminé. Ah! Ça y est, je vais pouvoir planter ma plante bizarre. Là. Alors ça, c'est elle qui va le faire. Entretenir le jardin. Hop. Et puis lui, il va. Il est dans la terre, il va planter la graine spéciale. La graine spéciale. Voilà, on va la mettre là, la graine spéciale. Je ne sais pas ce que c'est. On va bien voir. Allez, bouffe ton plan perdu là. Ah, attends. Ah bah non, ok, autant pour moi. Elle a tout, elle a tout, elle a tout. Ok, où est-ce que j'ai ça, moi? Fuck. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ariel, Ariel, Ariel. Compétence. Il faudrait qu'elle fasse un peu de ça, quand même, hein. C'est vrai qu'elle envoie un peu du lourd. Ah, putain, il fait du sport, lui aussi? Lol. Allez, vas-y, arrête de faire ça. Sinon, tu vas être en retard encore. Travailler dur. Et puis après, tu vas repousser tes limites. Puis toi, tu travailles dur comme d'hab. De toute façon, cela ne change pas. Puis lui, il est à fond là-dedans, hein. Rien, un peu tranquille. Ah putain, le bâtard. 500. Putain, à chaque fois, il se trouve des petits trucs tranquilles, lui. Il est bon, hein. Un appel sur son téléphone portable. Ouais, mais ça, on s'en fout. Alors, est-ce que j'ai mis des trucs de côté ou pas? Putain, il a rien mis de côté. Ça me fait mal. La durée de chaque étape de la vie peut désormais être ajustée. Ouais, bah ça je sais, hein. Ils sont au taquet, mes sims. Ils sont au taquet. Alors qu'elle aidait à mettre en œuvre le plan de... Rien à dire. Faut se battre contre un agent spécial. C'était un spectacle passionnant et tout le monde donnait Auriol perdante, mais elle a réussi à mettre KO l'agent spécial. Ouais, c'est pas mal ça. On lui 4000, normal, tranquille. Et puis en plus, j'ai encore une promotion là avec lui. Putain, je vais être riche. On va réussir à l'avoir cette maison là, parce que je n'ai toujours pas oublié. Je n'ai pas oublié quand même. Il est toujours pas revenu, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Voir, d'accord, on s'en fout, tiens, embrasse-la. Romantique, embrasser. Ça va me faire un petit peu de... comme ça, après j'ai plus qu'à mettre ça, on est tranquille. Direct. Ça c'est fait. Là, maintenant,
Hop, il va jouer à un jeu vidéo. Voilà, ça c'est fait. Tranquille. À l'aise. Puis après, il va jouer aux échecs avec Auriol. Hop. Ah putain, il l'a cassé. Voilà, puis bah en fait leur truc est déjà à fond, donc on va juste faire l'amusement. Puis comme ça, elle la prend en même temps un peu, c'est pas mal. Puis après, on va. Ah putain, bon bah. Sommeil maléfique. Sommeil maléfique. Qualité mauvaise, bah, hein. Ah putain, ça s'est cassé là! Ah, ils sont niais, hein. Manger les restes, non. Servir ce plat. Hop. De toute façon, l'autre il va mettre tout à la poubelle là, normalement. Putain, il les a pas payés, j'avais demandé de les payer tout à l'heure là. Quel gros lourdeau celui-là, quel gros lourdeau! Un portrait de elle. C'est pas mal ça. Allons-nous réussir enfin à avoir cette putain de baraque? Je pense que la prochaine vidéo, on sera dans la maison, hein. Je ferai en sorte. Parler à quelqu'un. Ouais, je pense que on sera dans notre maison là, comme ça on sera un peu tranquille. Parce que là, bon, appeler un réparateur, là, appeler un réparateur, comme ça on est tranquille entre guillemets. Là, il a mangé. Oh putain, merde. Je me gourre! Après, il va prendre une douche et il va aller pisser un coup parce qu'il a besoin. Il a besoin, on a tous besoin. Alors, je veux voir ce qu'il va me faire. S'il va me faire. Ça va vraiment ressembler, putain. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est pour prendre une photo. Ok, hop, voilà. Ça c'est fait. Maintenant. C'est bon, tu peux retourner à tes occupations, petite. Tu vas aller pisser un peu. Puis tu vas t'entraîner. Mais oui, il faut s'entraîner, coquine. Coquine. Un peu de jardinage, tu vas faire un peu de jardinage? Ouais, vas-y, on va te faire un petit peu de jardinage. Ah putain, merde. Entretenir le jardin. Fertiliser le jardin avec ça. Ce sera parfait. Ce sera perfecto. Ah, qu'est-ce que tu me fais, toi? Est-ce que tu me fais un chef-d'œuvre ou est-ce que tu me fais une grosse merde? Déjà, on voit le regard là. Enfin, je pense que c'est ça. Ah, putain. Son tel, il est toujours en train de sonner avec là. Environnement dégoûtant. Putain, les chiennes. Ouais, bon, c'est bon, on est en train de. Ouais, il va le faire. Nickel. Ah putain, il a pas fini. Okay. Détecticien pour tout. Continuez. Une fois qu'il aura fini tout ça, il sera bien. Donc il pourra continuer. On va voir ce que ça va donner.
Puis après, bah, on va se quitter, bien sûr, parce que... Yes! Elle passe au niveau 4, joli. Qu'est-ce que c'est? C'est qui? Ah, c'est la technique. Ah, ok, d'accord. Putain. J'allais me dire, mais c'est quoi cette merde là? Pourquoi il y a des gens? Ah, l'autre, il a encore bouché les chiottes. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Pas trop mal fait, hein. Il gère. De mieux en mieux. Il fait des bonnes peintures. Voilà. Hop, on le vend. Putain, 505$. Ah, je vais en faire plus souvent, hein, des portraits d'elle. Enfin, est-ce que l'écriture... Continuez. Where is Brian? Putain, oui, c'est vrai. Je m'en rappelais plus de ça. On va le faire dormir. Il faut que manger les restes en bouffe. Elle. Oh, putain, je vais pisser. Et bouffer aussi, manger les restes. Oh putain, il y a tout qui se casse là dans ma putain de maison là. C'est quoi ce buzz là? C'est quoi ce business, hein? Ouais, bon. Bah après, il faut que tu dormes, hein. Il a un peu la dalle, le bonhomme là. Hein. Ouais, quand même. Putain, elle, mon pauvre, elle est tac, Julien de réserve. $50. L'autre, il a juste nettoyé les toilettes, c'est plus 125$. Allez hop. Ça paye bien, hein. S'il se fait toutes les maisons comme ça. Il est au taquet, le mec. Il est au taquet. Bon, bah, les amis, on va s'arrêter là. Et je pense que pour la prochaine vidéo, on se retrouvera dans l'autre maison où on se fera le déménagement ensemble pour voir un peu comment ça se passe. Donc il me faut encore quelques milliers de dollars. Donc bah moi je vais continuer en off, hein, bien entendu, pour progresser tout ça. Et une fois qu'on aura tout ça, et eh ben on se retrouvera, comme j'ai dit, dans la super grande maison que notre cher maçon du cœur a bâti pour nous. Celle qui coûte 400 000$ là. Si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à aller les voir, ou en tout cas aller voir le dernier. Comme ça vous voyez un peu dans quelle maison nous allons nous retrouver. Sur ce les amis, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez. Il y a beaucoup de vidéos des Sims qui sont prévues, hein, qui sont déjà faites même. Et il y a d'autres gameplay aussi, d'autres jeux. Donc si vous voulez découvrir des jeux, etc. N'hésitez pas à vous abonner puis à regarder mes vidéos, vous verrez plein d'autres jeux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne Twitch, qui est en collaboration avec un ami qui n'est nul autre que Psy Darkney. Tout sera dans la description, de toute façon tous les liens seront dans la description. Sur la chaîne Twitch on fait pas mal de gameplay, de jeux, de tout et de n'importe quoi. On fait vraiment tous les jeux, il n'y a pas d'exception, on essaye de tout, on teste de tout. Et puis on se tape pas mal de barres de rire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis ma page Facebook aussi, puisque vous pourrez me suivre bien plus en me suivant sur Facebook.
Et n'hésitez pas aussi à aller voir mon site internet qui est en progression, que je complète de temps en temps. Alors c'est pas une priorité pour moi, mais bon, si vous voulez aller un peu voir ce que ça donne, n'hésitez pas. Comme j'ai dit encore, tous les liens seront dans la description. Sur ce, les amis, je vais vous laisser, puis je vais vous dire à bientôt. Allez, salut!